like a bird. Did you ask for? I'm a bad father, how you gonna see me? So she tells me, Timmy on a fly, Timmy on a fly. 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 This is supposed to be clean, you know me and my team. Fighting things to win, and you know what I mean. I keep it forever, have you ever seen the cleaner? They call me killer, cause I'm killer, I'm a freaking killer. Whatever, the cover is over. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de quoi ? De mon soin que je vais faire aujourd'hui au lieu de demain parce que cette semaine c'est juste le rush et j'ai 10 000 choses à faire en même temps. Donc je ne vois pas perdre demain toute une matinée à m'occuper de mes cheveux. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire mon bain d'huile ce soir comme d'hab. D'habitude je le laissais reposer toute la nuit, mais là je vais faire différemment. Donc là je suis en train de... j'ai déjà appliqué les huiles. Donc c'était à la base dans mon petit applicateur comme ça. J'ai mis de l'huile du karité fondu, du beurre de mangue fondu, du beurre de cacao fondu, de l'huile d'olive, de l'huile d'amla enrichie à l'huile d'amande douce. Et j'ai mis quoi encore? Je pense que c'est tout. Donc voilà, j'ai mélangé le tout et j'ai appliqué sur mes cheveux. Donc je ne sais pas si ça se voit bien. J'ai vraiment saturé. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que puisque je ne vais pas laisser poser toute la nuit, j'ai mis ma charlotte en plastique qui est censée garder la chaleur en fait. Et donc pour activer un peu le tout, avec mon sèche-cheveux, je prends mon sèche-cheveux comme source de chaleur parce que j'ai pas de casque auto-chauffant. Donc là ça fait environ 10 minutes que je suis en train de faire passer en fait. Je fais des rotations avec mon sèche-cheveux pour qu'il y ait vraiment de la chaleur sur toute la tête. Donc voilà ce que je vais faire. Après ça je vais aller laver tout de suite ce soir. Faire mon soin aussi protéiné ce soir. À base d'air mayonnaise et tout le barada. Et donc ensuite, ce que je vais faire, appliquer mes leave-in comme d'hab. De toute façon, je pense que je reviendrai pour une autre vidéo pour vous montrer un peu. Appliquer mes leave-in, le soin, je vais le laisser, je vais pas le laisser une heure parce que sinon je suis pas couchée. Je vais faire le même principe avec la source de chaleur pour activer, pour que ça s'active plus rapidement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oui, et je vais appliquer, mettre des flexi-tout, je sais pas quoi, les trucs, les bigoudis façon bizarre là, qui se plient en fait. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, désolé encore pour la qualité de la vidéo, parce que le soir, ici, l'éclairage est pourri. Et le meilleur éclairage que je puisse avoir, c'est avec la webcam. Mais ça s'entend. Après ce que j'ai compris, ça s'entend pas très bien, donc j'essaie de parler fort, quoi qu'il est 22h, donc je peux pas non plus crier. Donc voilà, donc je continue avec mon sèche-cheveux et je reviens après. Recoucou tout le monde, donc là j'ai fini de faire mon shampoing. Donc pour le shampoing, j'ai utilisé le shampoing d'Afogy for Damaged Hair. Que j'ai appliqué, toujours avec la technique de Lily Love 972. Donc j'ai pas eu beaucoup de casse, à peine 2 ou 3 cheveux. Donc ensuite j'ai appliqué le kératine 2 minutes reconstructeur, que j'ai laissé 10 minutes, le temps de me frotter le dos, vous voyez un peu le topo. Donc, et ensuite, j'ai laissé reposer, et donc là j'ai appliqué mon soin protéiné. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le faire? Du air mayonnaise. Donc, mon pot qui est à moitié vide maintenant. Qui est presque vide maintenant. Donc, comme j'en ai pas beaucoup, j'ai pris une base de air mayonnaise. Et j'ai rajouté d'autres trucs. Donc, j'ai rajouté le Olive Oil Replenishing Conditioner de Organic Root Stimulator. Donc, apparemment, c'est un conditionneur qui à la fois protéiné et hydratant, donc je l'ai rajouté. Ensuite j'ai rajouté mon
comment dire, mon après-shampoing à l'huile d'argan, toujours. Et celui de Timothée à l'huile d'argan et au henné. Donc, comme les soins protéinés que je faisais avant, j'avais toujours les cheveux un peu secs. Et c'est un peu ma hantise là, à la fin de tous ces soins, d'avoir les cheveux un peu secs. Donc j'ai rajouté la poudre de banane parce que ça assouplit et ça adoucit les cheveux. J'ai rajouté de l'huile de monoï. J'ai rajouté donc de l'huile d'amla. D'amla, oui. Je l'ai bien dit. Donc de l'huile d'amla. Cette fois-ci, qui n'est pas, c'est l'huile d'amla pure, celle qui n'est pas enrichie à l'huile d'amande douce. Et aussi des protéines de la protéine de soie, quelques gouttes pour la brillance. Donc voilà, donc là je vais laisser poser. D'habitude je laissais poser 1 heure, voire 1 heure et demie. Mais là je me dis que je vais laisser poser, on va dire 25 minutes, parce qu'il est déjà 23 h et je suis claquée. 25 minutes. Donc pour accélérer le soin, la même technique que tout à l'heure. Donc je vais appliquer la chaleur. Directement cette fois-ci pour vraiment accélérer le processus. Je sais que c'est pas trop bien, mais bon, voilà quoi. Je suis claquée, il faut que je dorme. Et donc pendant 10 minutes, je vais l'appliquer direct, et ensuite je rajouterai ma petite Charlotte et j'appliquerai ensuite comme ça par-dessus la Charlotte. Donc voilà, donc je vais laisser 25 minutes, je vais rincer et ensuite je reviendrai. Remoi, donc là j'ai fini j'ai rincé mon soin protéiné. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train d'hydrater mes cheveux parce que et de faire mes bigoudis parce que j'ai peur qu'ils soient secs demain. Donc en termes de leave-in, j'ai appliqué le Pro Vitamine Leave-in Conditioner d'Afogy. Je n'ai pas utilisé le Keratin Green Tea Restructurizer d'Afogy parce qu'il s'active à la chaleur. Et là, je n'ai pas utilisé de chaleur parce que là, les cheveux sont encore un peu humides. Je les ai à peine séchés. Et j'ai appliqué donc le Pro Leave-In, le Pro Vitamine Leave-In Conditioner d'Afogy et le Corrective Leave-In, celui-là, de Dark and Lovely. Donc c'est un des premiers leave-in que j'ai acheté quand j'ai commencé ma R journée. Bon, j'ai pas vraiment vu d'effet surnaturel ou quoi, ok, mais bon, voilà, comme j'avais pas, je me suis dit que comme j'avais pas le restructurizer Green Tea là, machin chouette, j'allais utiliser celui-là, j'allais revenir à celui-là. Donc là, j'ai fini, j'ai appliqué un peu le protecteur de chaleur de ORS là, parce que j'ai quand même séché un tout petit peu, pas comme je fais habituellement, mais quand même j'ai mis un peu de chaleur. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué le truc machin chouette d'ORS. Je suis complètement out. Donc, vous étonnez pas si. Voilà, donc là il me reste à peu près cette touffe là à mettre remplie. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment j'hydrate mes cheveux. Donc d'habitude, ce que je fais, c'est que je les hydrate avec le Alors, ça c'est le correctif, je suis vraiment claquée. Le Moisture Plus Olive Oil de Dark and Lovely, je sais pas si ça se voit bien. La crème de soin lissage sans rinçage de Garnier et du gel d'aloe vera. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me limiter au Moisture Plus Olive Oil et sceller l'hydratation donc avec de l'huile d'amande douce. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais. Là, d'habitude, je fais section par section, donc je vais faire pareil. J'essaie de prendre des sections pas trop grosses, mais pas trop petites quand même non plus, parce que je suis super fatiguée. Il est plus de minuit et je dois aller me reposer là parce que j'en peux plus. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais. Donc, d'habitude, quand je les.
quand je les hydrate, ils sont déjà lisses. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le fer à lisser. Donc, ce que je fais, c'est que je les démêle. Donc, en partant bien du bas pour remonter vers le haut sans tirer. Vraiment avec beaucoup de douceur. Je disais une fois un article qui disait que dans lequel l'auteur disait que les types de cheveux 4, il fallait les traiter avec beaucoup d'amour. Donc je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il a fumé lui? Mais en définitive, je trouve qu'il a raison parce qu'il faut les traiter vraiment tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse. Donc c'est ce que je fais. Donc là, ouais, c'est bon. Je perds quand même un peu de cheveux parce que d'habitude je les manipulais pas quand ils étaient mouillés. Toi, tu vas passer par là. Donc ce que je fais d'habitude, c'est que je mets une noisette de chaque. Donc là, ça sera que le olive oil. Et donc j'applique en insistant bien sur les pointes parce que c'est la partie la plus fragile en fait. Donc j'applique bien. Et donc un petit peu d'huile d'amande douce pour sceller l'hydratation. Et donc je prends mon flexi machin là, mon roller. Donc, comme ça. Et là, j'enroule. Ok, il y a des cheveux qui se coincent. Non, c'est bon. Ok. Donc, je continue. It's over now. Ouais, quand je suis fatiguée, j'ai tendance à chanter des chansons pourries. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Move over. Take my shit down. Over. Tu. Donc, toujours en mode démêlage de cheveux. Alors. Donc là, j'ai commencé mes soins à peu près à 22 h. Et là, il est minuit passé. Donc, j'ai fait vraiment en accéléré. Parce que si j'attendais demain, j'allais prendre toute une matinée, voire plus. Oh, et zut, je suis vraiment claquée.
pour faire les soins. Donc, au moins, je fais ça maintenant. Et la prochaine fois, déjà en termes de rush, ce sera moins le rush parce que c'est pas bon. C'est pas bon, je suis séparée. Donc je disais que ça sera moins le rush parce que j'aurai fini tous mes examens, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour m'occuper de mes petits cheveux. De mes petits cheveux, donc voilà. Wesh. Ok. Donc là, il reste pas beaucoup. Je crois que je vais faire deux grosses. J'ai trop la flemme. Ma hantise, c'est demain. Quand je vais me réveiller, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas du tout. C'est la première fois que j'utilise pas le fer à lisser. Donc, grande, grande première. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça sera vraiment malléable. Et je veux soit malléable et facile à coiffer. Parce que sinon, j'utiliserai le fer finalement. D'ici la fin du week-end, parce que si je vois que je vais galérer toute la semaine avec mes cheveux alors que j'ai vraiment pas le temps pour ça, je prendrai le temps de les lisser peut-être dimanche. Et à ce moment-là, j'appliquerai peut-être le kératine green tea. Ouais, j'ai des petits cheveux devant là. Je sais pas comment je vais faire avec. Donc là, je vais faire deux derniers. Donc je démêle la mèche en entier. Partant toujours du bas des pointes pour remonter vers les racines. Il y a de la casse dans l'air là. Voilà, j'hydrate. En insistant bien sur les pointes, comme toujours. Ma chérie, baby, baby.
Donc, le petit dernier. Donc voilà, voilà ce que ça donne quand j'ai fini. Donc là, j'ai mis mes rouleaux et je peux tranquillement aller dormir. Donc j'ai vraiment peur de ce que ça va donner demain matin. J'angoisse un max. Mais bon, j'espère que ça sera pas. Ça sera. Mes cheveux seront malléables. Donc voilà. Bon bah à la prochaine vidéo hein.